Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom précieux de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, vous êtes en direct sur votre chaîne télévision chrétienne Réveil TV et bien sûr sur votre émission Réveillez-vous. C'est vrai que ce soir, n'est-ce pas, nous n'allons pas partager, donner un enseignement comme d'habitude. Nous allons plus ou moins, n'est-ce pas, faire un point sur la mission du Cameroun, la mission du 15 au 27 mai. Vous savez, la dernière fois, n'est-ce pas, il n'y a pas très longtemps, où nous vous avons présenté, n'est-ce pas, un direct avec un frère, n'est-ce pas, de France, où il était question, n'est-ce pas, de préparer une mission qui consistait à visiter un orphelinat. Vous savez, la Bible nous demande, n'est-ce pas, de nous souvenir, n'est-ce pas, des orphelins, de nous souvenir, n'est-ce pas, des veuves, des personnes démunies. Et le Seigneur nous avait vraiment mis à cœur, n'est-ce pas, de poser des actes, n'est-ce pas, aller encourager cet orphelinat. Vous voyez, parce que parfois, vous savez, on vit dans un monde où il y a tellement, n'est-ce pas, de souffrance, la précarité, à cause des cœurs qui s'endurcissent, des cœurs qui ne s'élargissent plus, qui ne laissent plus, n'est-ce pas, le Seigneur opérer. Donc, la Bible dit que beaucoup, à cause de la méchanceté, n'est-ce pas, il va y avoir, n'est-ce pas, une grande souffrance, une précarité, n'est-ce pas, qui va toucher beaucoup de personnes. Et nous, en tant qu'enfants du Seigneur, voilà, le Seigneur ne veut pas que nous soyons indifférents, n'est-ce pas, face aux cris, n'est-ce pas, des orphelins ou encore des personnes qui sont vulnérables. Alors, d'où, n'est-ce pas, cette mission du 15 au 27 mai. Et comme il convient, n'est-ce pas, selon les Écritures, de toujours faire un point afin de montrer, n'est-ce pas, comment, n'est-ce pas, ont été utilisées, n'est-ce pas, les libéralités, les efforts, n'est-ce pas, que les frères et sœurs ont consenti, n'est-ce pas, à donner, n'est-ce pas, de leur semence, voilà, pour encourager cette mission. Donc, voilà pourquoi, frères, nous avons bien sûr, n'est-ce pas, eu à cœur de faire le point et de présenter, n'est-ce pas, les points ou sinon les actions qui ont été menées. Et aussi, n'est-ce pas, par la suite, nous projeter, communiquer aussi davantage, n'est-ce pas, la pensée que le Seigneur, n'est-ce pas, nous met à cœur concernant, n'est-ce pas, toujours cet orphelinat au vif qui est au niveau du Cameroun. Donc, avant de commencer, n'est-ce pas, bien sûr, bien qu'il est vrai qu'on a commencé, puisque déjà, on a commencé, n'est-ce pas, à élaguer certains points, certaines choses, n'est-ce pas, qui ont été, certaines actions qui ont été menées. Donc, nous allons présenter les moments en témoin du Seigneur, afin que le Seigneur Yeshua nous guide tout au long de cette émission et que son esprit soit au contrôle, comme d'habitude. Bien sûr. Adonai, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci papa pour ces temps. Papa, nous ne voulons pas nous afficher. Papa, nous ne voulons pas te voler la vedette. Nous savons que toi seul mérites d'être élevé, magnifié, exalté. Papa, parle-nous, Seigneur. Papa, viens, Seigneur Père Céleste, parle au cœur de tes enfants. Papa, encouragez ceux à qui tu as déposé ce fardeau, Seigneur, quant à soutenir les orphelins, quant à venir en aide, n'est-ce pas, aux personnes démunies. Père, nous voulons, Seigneur Père, que de la même façon, Papa, que tu as permis à ce que cette mission puisse s'effectuer, Seigneur, guide-nous au nom de Jésus-Christ, Yeshua. Amen. Alors, avant, n'est-ce pas, de vous présenter les images et de vous faire une synthèse, n'est-ce pas, des actions qui ont été posées. Nous allons lire quelques versets. Nous allons prendre Exode au chapitre 22, du verset 21 au verset 23. Exode 22, les frères de la régie vont nous mettre quelques versets, n'est-ce pas, sur l'écran. Et ensemble, nous allons lire la parole pour comprendre qu'en fait, le Seigneur Elohim est un Elohim, n'est-ce pas, des faibles, c'est un Elohim, n'est-ce pas, des orphelins, des veuves. Et quand les orphelins, les veuves, n'est-ce pas, sont négligés, alors automatiquement, ben, ça pousse à ce que le Seigneur, ça irrite le cœur du Seigneur, voilà. Donc, quand nous allons regarder Exode chapitre 22, voilà, à partir du verset 21, voilà, les frères vont nous afficher ce passage, ces quelques passages, n'est-ce pas, sur l'écran. Ensemble, n'est-ce pas, nous allons pouvoir lire ces passages. Et puis, vous qui avez des Bibles chez vous, n'est-ce pas, nous vous recommandons, n'est-ce pas, de vérifier. Voilà. Tu ne maltraiteras pas l'étranger et tu ne l'opprimeras point. Car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte, verset 22. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Vous voyez, verset 23, la Bible dit quoi? Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leur cri. La Bible nous demande, n'est-ce pas, de ne pas les affliger. Et l'un des moyens, n'est-ce pas, pour lequel nous pouvons affliger les orphelins ou les veuves, c'est aussi le fait, n'est-ce pas, d'être indifférent, le fait d'être insensible, n'est-ce pas, à leur cri, à leurs besoins.
voyez. Et nous allons encore lire un autre passage dans Ésaïe au chapitre 1, verset 17. Ésaïe chapitre 1, verset 17. Voilà, nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, pour sa parole. Vous savez, quand la parole, elle est posée, quand la parole parle à nos cœurs, c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas, de nous laisser interpeller par le Seigneur. Apprenez à faire le bien. Vous voyez, la Bible nous recommande, n'est-ce pas, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Vous voyez, la Bible nous demande, n'est-ce pas, de faire droit à l'orphelin, vous voyez un peu. Voilà, donc, n'est pas laisser, n'est-ce pas, ces personnes vulnérables, cette catégorie de personnes, n'est-ce pas, à la risée, n'est pas les exposer davantage. Puis déjà, la condition dans laquelle, n'est-ce pas, ces personnes se trouvent n'est pas déjà facile. Mais ici, il faut encore, n'est-ce pas, ajouter dans cette situation, n'est-ce pas, d'autres fardeaux pénibles encore. Frère, ce n'est pas correct. La Bible dit de ne pas agir ainsi, n'est-ce pas, de peur de se retrouver en train de pécher devant le Seigneur. Nous allons lire aussi Zacharie chapitre 7, verset 9 au verset 10. Zacharie chapitre 7, verset 9 à 10. Voilà, regardons ce que les Écritures disent, n'est-ce pas, sur les orphelins, sur les veuves, et bien sûr aussi, n'est-ce pas, sur les étrangers. La Bible dit, ainsi parlait l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Verset 10, oui. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin. Vous voyez, la Bible, c'est un commandement du Seigneur, dit, c'est un ordre de ne pas opprimer la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. La Bible nous demande de ne pas mépriser, n'est-ce pas, de ne pas négliger l'orphelin et la veuve ou encore l'étranger. On va terminer par ce passage, le psaume 146, verset 9. Le psaume 146, verset 9. Vous voyez, parfois, beaucoup utilisent les psaumes comme des psaumes incantatoires pour des combats, ainsi de suite. Non, ben, les psaumes, ce n'est pas seulement pour les combats. Il y a dans les psaumes aussi, il y a les enseignements, il y a aussi des messages que le Seigneur nous communique, voyez, un peu, afin de nous amener, n'est-ce pas, à connaître son plan ou encore sa volonté. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Vous voyez, en fait, la Bible nous dit clairement, n'est-ce pas, en lisant ce passage, que Elohim est un Elohim des orphelins, des veuves, vous voyez un peu, des personnes vulnérables, des personnes faibles. Et voilà, d'où la mission, n'est-ce pas, de la visitation de l'orphelinat aux vives du Cameroun. Bien sûr qu'on a commencé, n'est-ce pas, à poser des actions au niveau de Yaoundé. Et avant de poser des actions, ben, il était question, n'est-ce pas, d'abord de se rendre sur place, qu'on aille s'imprégner, n'est-ce pas, des conditions dans lesquelles, n'est-ce pas, vivent les enfants. Vous voyez un peu. Donc, cette mission, n'est-ce pas, était vraiment une mission de prise de contact, une mission où il fallait, n'est-ce pas, aller toucher du doigt pour voir un peu ce qui s'est passé, si c'était vrai un peu le point qu'on avait reçu de cette dame, bien sûr, et en plus, n'est-ce pas, qui n'est pas chrétienne, mais qui était rentrée en contact avec un frère, et puis elle a dû, n'est-ce pas, exposer certaines difficultés que connaissait ou que rencontrait, n'est-ce pas, cet orphelinat, voyez un peu, et vraiment, n'est-ce pas, le Seigneur étant touché quand on a écouté, quand le frère écoutait, n'est-ce pas, cette dame-là, alors donc le frère a commencé à partager la vision et les gens avec qui il a partagé la vision, ben, on ne pouvait pas rester insensible. Donc, on a décidé, n'est-ce pas, de se cotiser et déjà n'est pas aller bras ballants, aller non seulement toucher du doigt, mais aussi, n'est-ce pas, apporter quelques présents en fonction, n'est-ce pas, des points, des différents besoins, n'est-ce pas, qui ont été énumérés, voilà, par les responsables de cet orphelinat. Il faut dire que cet orphelinat est dirigé par un apôtre, M. Kameni, qui se bat avec le peu de moyens que le Seigneur met entre ses mains, ouais, un peu, déjà de scolariser ses enfants, de leur donner à manger, même du riz. Parfois, ce n'est pas facile. C'est des enfants qui se nourrissent du tapioca, du riz, et aussi des quelques dons, n'est-ce pas, des personnes, des bonnes volontaires, ouais, un peu, qui peuvent apporter, ben, quelques dons. Donc, parfois aussi, quand il n'y a pas, ben, les enfants sont comme ça, vous voyez. Donc, il était question d'aller toucher du doigt. Et par la suite aussi poser quelques actions, ça veut dire apporter, n'est-ce pas, quelques présents, parce que vous savez, ce n'est pas facile. Aller voir les orphelins, vous savez, quand des personnes aussi
faible, aussi vulnérable. Vous vous imaginez, ben, vous voyez les gens venir comme ça, là, automatiquement, il y a un espoir qui naît dans leur cœur. Donc, on a compris qu'on ne pouvait pas aller bras ballants. Donc, il y a eu des cotisations via aussi, n'est-ce pas, l'appel, n'est-ce pas, qui avait été, n'est-ce pas, fait début à la télévision, vous voyez un peu. Donc, où on avait demandé aux frères et sœurs, n'est-ce pas, pour ceux qui avaient à cœur, n'est-ce pas, de s'aimer pour cette mission-là, de faire quelque chose, de faire un geste. Nous bénissons le Seigneur que, voilà, il y en a qui ne sont pas restés insensibles, qui ont s'aimé, qui ont cotisé et arrivé sur place. On a pu, n'est-ce pas, on a fait quelques courses, on a pris quelques moustiquaires imprégnés parce que les fenêtres étaient abîmées. Il n'y avait pas de sécurité, bien sûr, et les moustiques, les enfants étaient livrés, n'est-ce pas, aux moustiques. Donc, nous avons pris quelques moustiquaires imprégnés, quelques draps parce que des draps étaient vieillissants. Ouais. Et on a pris du riz, on a pris vraiment, n'est-ce pas, des produits vraiment de base, des premières nécessités comme des brosses à dents, les pâtes dentifrices, du savon. Voilà, on a pris, n'est-ce pas, pas mal de choses, n'est-ce pas, que nous avons donné, n'est-ce pas, à ces orphelins. Et c'était très émouvant quand ces enfants, n'est-ce pas, nous ont vu arriver, quand la façon dont ces enfants nous ont accueillis, on a ressenti, n'est-ce pas, que notre présence, n'est-ce pas, apportait un brin d'espoir dans leur cœur. Vous voyez, c'était comme si il y avait une lueur, une lumière, n'est-ce pas, qui jaillissait, qui naissait, n'est-ce pas, dans leur cœur, qui se disait, bon, enfin, on croit que par l'arrivée, n'est-ce pas, de ces messieurs, de ces personnes, n'est-ce pas, on aura à manger, certains besoins, n'est-ce pas, auxquels ils étaient confrontés, n'est-ce pas, pourront être comblés. Et voilà, donc les frères vont nous montrer, n'est-ce pas, les images de Yaoundé, parce qu'on a bien sûr commencé par Yaoundé. Voilà, donc quand on arrive à Yaoundé, on a fait des courses, nous avons fait des courses, et après des courses, après le premier contact aussi, n'est-ce pas, avec les orphelins, alors il était question de revenir avec les présents, n'est-ce pas, bien sûr, les présents là, qui étaient à la hauteur du montant, de la somme, n'est-ce pas, que le Seigneur avait permis à ce que nous puissions avoir. Donc, les frères vont nous montrer les images, voilà. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes, hein. Vous allez voir, hein, que les conditions dans lesquelles vivent ces jeunes, ces enfants, ces orphelins. Vous voyez un peu, il y a beaucoup d'orphelins qui ont été abandonnés. Il y a des enfants que les parents sont allés abandonner dans un carrefour et que l'orphelinat, n'est-ce pas, a accueilli d'autres qui se faisaient malmener, tabasser par les parents, d'autres qu'on accusait de sorcellerie et qui se retrouvaient, n'est-ce pas, seuls. Et voilà, donc on va regarder, n'est-ce pas, ensemble, nous allons voir les images. Voilà, les frères vont nous mettre les images sur l'écran. Voilà. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour son amour. Voilà. Vous voyez, là, nous sommes au niveau de Yaoundé. Vous voyez les orphelins. Vous voyez ces enfants qui sont tous scolarisés déjà. Comme je vous le disais, hein, le responsable de celui, le monsieur à qui le Seigneur a donné la vision, n'est-ce pas, de cet orphelinat, monsieur Kameni, ben, ils se battent, voilà, pour apporter le nécessaire à ces enfants. Vous voyez comment ils sont très jeunes. Vous voyez. Voilà, donc en bas, vous avez de l'huile, les moustiquaires imprégnés, quelques papiers hygiéniques, n'est-ce pas, pour ces jeunes filles-là, qui sont exposées, vraiment exposées à des dangers. Il y a même des choses parfois, il y a même des choses qu'on ne pourra pas dire, n'est-ce pas, en direct, des peurs de choquer plusieurs personnes. C'est vraiment, ces jeunes-là sont vraiment exposés, vous voyez. Ils vivent dans un endroit très restreint où ce n'est même pas assez aéré, c'est pas aéré, ouais, un peu, c'est des petites fenêtres et les fenêtres sont abîmées, ouais, un peu, et parphois, n'est-ce pas, c'est un orphelinat qui connaît parfois qui est visité par des bandits, ouais, un peu, donc c'est un peu compliqué. Oui, si les frères on veut évoluer sur les images, voilà. Voilà, ça c'est l'orphelinat, n'est-ce pas, au vivre au niveau de Yaoundé. Donc, ces quelques dons-là, n'est-ce pas, ont été divisés à deux parce qu'il y a une antenne au niveau de Yaoundé. On n'a pas pu visiter l'antenne de Douala, voilà, parce que le Seigneur n'a pas permis. Donc, voilà, donc ces dons que vous voyez là, n'est-ce pas, ont été divisés pour les orphelins, n'est-ce pas, de Yaoundé et aussi, n'est-ce pas, les orphelins, n'est-ce pas, de Longbom, hein, au village. Oui, parce qu'il y a une autre orphelinat, n'est-ce pas, au niveau du village.
Donc, il n'était pas question, n'est-ce pas, de donner seulement le peu qu'on avait à ceux de Yaoundé. Il fallait aussi, n'est-ce pas, apporter aussi un petit peu, aussi une petite part aux orphelins, n'est-ce pas, du village. Je crois que les frères aussi vont nous montrer quelques images, n'est-ce pas, du village. Voilà, et comment, n'est-ce pas, ces enfants vivent. Vous voyez, là, nous sommes au village. Vous voyez, voici les villages, voici les enfants. Regardez ces enfants, regardez bien, regardez les enfants. Vous voyez, ces innocents. Ben, qui sont abandonnés, n'est-ce pas, recueillis par ces personnes de bonne volonté. Voilà. Donc, parfois, qui se retrouvent à court de moyens, qui n'ont pas de subventions, qui n'ont pas d'aide. Vous voyez, donc, la Bible nous demande, n'est-ce pas, de ne pas rester insensible quand des enfants comme ça, là, crient famine ou sont exposés, n'est-ce pas, ne sont pas à l'abri, n'est-ce pas, des bandits qui peuvent aller les détourner, qui peuvent aller, n'est-ce pas, les maltraiter, qui peuvent aller voler, les vivres, les petits dons, n'est-ce pas, qu'on peut, n'est-ce pas, apporter à ces enfants. Vous voyez un peu, là, nous sommes au niveau de l'Ombom 3. Voyez un peu, dans un village, n'est-ce pas, du Cameroun, où se trouve aussi, n'est-ce pas, l'une des antennes, n'est-ce pas, de cet orphelinat au Vive. Vous voyez, regardez ces enfants. Et voilà, nous allons voir aussi, on a pu visiter, n'est-ce pas, des endroits où ces enfants dorment. Vous voyez, regardons, vous allez voir les images. Les images sont très parlantes, vous voyez un peu, les images parlent. Voilà. Les frères vont nous mettre en direct, n'est-ce pas, quelques images, quelques vidéos, ou sinon des images ou des vidéos où on a pu filmer comment est-ce que les enfants là dorment, dans quelles conditions ces enfants se retrouvent. Vous voyez, voilà les frères, si vous pouvez mettre la vidéo, s'il vous plaît. Vous voyez, voici une pièce, regardez la natte qui est au sol, vous voyez un peu, les enfants dorment à même le sol. Vous-même, vous pouvez voir, vous allez constater, on a filmé, voilà, une chambre où se trouve la gouvernante, celle qui est censée, n'est-ce pas, ben, qui dort avec les enfants, vous voyez, regardez là où elle dort, voilà, vous voyez un peu les conditions, et c'est vraiment assez difficile, et les enfants, vous voyez les enfants, regardez les pièces. Vous voyez, ces enfants dorment à même le sol. Parfois, ils peuvent mettre un bout de drap, un bout de matelas par terre. Voilà. Et regardez, là où on prépare à manger. Regardez les toilettes. Vous me voyez dans un état de salubrité, vraiment, qui ne dit pas son nom. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà, ces enfants qui sont là devant vous. Voilà, vous voyez, ces enfants. Voilà. Donc, par la suite, on va continuer. Voilà, une autre salle, une autre pièce. Vous voyez, où le monsieur présente un peu le niveau des problèmes qu'ils ont par rapport à l'électricité. Où ils avaient un appareil, n'est-ce pas, qui leur permettait de pouvoir produire de l'électricité. Mais cet appareil, n'est-ce pas, est tombé en panne. Donc, au niveau du village, vous voyez un peu, déjà dans des conditions assez précaires, très difficiles. Ce sont des enfants qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans le noir, dans l'obscurité. Vous voyez un peu. Mais je me demande si ces enfants sont scolarisés, mais comment ils font pour lire ? Comment ils font pour étudier ? Vous imaginez un peu ? Ben, ce n'est pas très facile, ce n'est pas facile. Vous voyez, ce n'est pas facile. Voilà, voilà encore une pièce, une autre pièce. Vous voyez ? Donc, c'est un peu ça. Voilà les conditions dans lesquelles se trouvent ces orphelins. Vous voyez ? Voilà ce générateur d'électricité qui a pris un coup. Donc, et ça fait partie, n'est-ce pas, des besoins. Que les responsables de l'orphelinat ont exprimé, n'est-ce pas, si ce générateur, n'est-ce pas, peut être restauré, peut être réparé pour permettre aux enfants, n'est-ce pas, d'être plus ou moins, n'est-ce pas, éclairés. Vous savez, parfois au village, il y a des reptiles, voilà, donc les enfants sont exposés, voilà la bâche, voilà qui servait, qui pouvait mettre lorsqu'il y avait des problèmes, des programmes. Vous voyez, la bâche est abîmée, elle est au sol, là même le sol. Voilà l'une des chambres aussi, n'est-ce pas, des garçons. Parce qu'il y avait des parties, il y a des endroits où il y a des filles, des endroits où il y a des garçons, vous voyez. Voilà, filmé, voilà, regardez, il n'y a pas de matelas. Vous voyez comment les enfants, le linge est accroché sur des baguettes, sur des bois. Regardez vous-même, vous voyez. Et ces enfants-là, n'est-ce pas, dans cet endroit-là, mettent au sol un morceau de pagne et ils dorment dessus. Vous voyez, donc, c'est assez difficile. C'est vraiment assez difficile. Et
Nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, pour cette première mission. C'était vraiment une prise de contact, c'était vraiment aller toucher du doigt et pour montrer aux frères et sœurs, n'est-ce pas, ceux qui ont sémé, n'est-ce pas, que votre argent et votre semence n'a pas été vaine, n'a pas été donné en vain. C'était vraiment, n'est-ce pas, pour une bonne cause. Et vous-même, vous avez vu qu'il y a eu des actions qui ont été menées et nous sommes allés toucher du doigt. Et étant sur place, c'était tellement émouvant, tellement difficile que lorsque j'ai échangé avec des frères et sœurs au téléphone, ben, je disais qu'il est vraiment nécessaire, n'est-ce pas, de préparer une autre mission où il fallait, n'est-ce pas, mener d'autres actions. Parce qu'il n'était pas question vraiment de laisser, n'est-ce pas, cet orphelinat, ces orphelins comme ça. Donc, frères, vous-même, vous avez vu comment les enfants, n'est-ce pas, sont abandonnés, comment les enfants, n'est-ce pas, sont, vivent dans un cadre assez délabré, un cadre assez... c'est vraiment difficile, parfois, des moments pour pouvoir expliquer ou sinon exprimer, n'est-ce pas, frères, les conditions où se retrouvent, n'est-ce pas, ces enfants. Ouais, un peu, ben, ça pouvait être nos enfants, ça peut être toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui me suis en direct, ça peut être ton enfant, n'est-ce pas? Serais-tu d'accord de voir, d'accepter de voir ton enfant, n'est-ce pas, dans de telles conditions? Je ne crois pas. Donc voilà pourquoi, n'est-ce pas, c'est vraiment nécessaire, voilà, de soutenir de telles missions, d'encourager, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit vraiment de poser des actes pour les orphelins, vraiment de travailler, de s'aimer. Parce que, vous savez, lorsque nous agissons ainsi, frère, nous touchons non seulement le cœur du Seigneur, et aussi, frère, ça pousse à ce que, lorsque aussi, ben, nous allons crier, lorsque nous serons dans le besoin, le Seigneur ne restera pas insensible, n'est-ce pas, à nos cris. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à chaque fois, frère, qu'un orphelin, une veuve, n'est-ce pas, s'est retrouvée dans la difficulté, nous ne sommes pas restés bras croisés, nous nous sommes efforcés, n'est-ce pas, à secourir, à encourager. Donc, voilà. Donc, il était question, n'est-ce pas, de faire ce point, vraiment de montrer aux frères et sœurs, n'est-ce pas, non seulement les actions qui ont été menées, n'est-ce pas, à quoi a servi, n'est-ce pas, l'argent qui a été sémé, et aussi, n'est-ce pas, montrer aussi les images, les conditions dans lesquelles, n'est-ce pas, vivent les enfants. Parce que c'est assez très difficile, c'est vraiment difficile. Et sachant que c'est un orphelin, n'est-ce pas, qui est vraiment confronté à plusieurs, à beaucoup de difficultés, à beaucoup de besoins, alors avec les frères et sœurs, nous sommes en train de voir comment est-ce que, n'est-ce pas, nous pouvons organiser, n'est-ce pas, une deuxième mission où nous allons, n'est-ce pas, essayer d'éradiquer. C'est un point majeur. Quand je parle des points majeurs, ça veut dire en termes de sécurité, voilà, vraiment en termes de sécurité, en termes aussi, n'est-ce pas, de voilà, prendre aussi, acheter aussi des matelas pour permettre à ce que les enfants, n'est-ce pas, aient quand même un sommeil assez paisible, s'ils peuvent dormir, n'est-ce pas, sur des matelas et non pas sur des bouts de paille ou bien à même le sol, comme nous avons vu. Voilà, donc nous sommes en train de prier. Je crois que d'ici là, par la grâce de Yahweh, n'est-ce pas, nous allons vous communiquer les dates, n'est-ce pas, de la prochaine mission, si le Seigneur permet, où on ira, n'est-ce pas, nous irons sur place aussi une fois encore, voilà, pour encourager encore ces orphelins, pour encourager cet orphelinat, poser des actes, poser des actions en fonction, n'est-ce pas, des moyens que le Seigneur mettra à notre disposition. Donc, voilà mes frères et sœurs, c'est en quelques mots, n'est-ce pas, voilà, qu'on voulait vraiment vous présenter, n'est-ce pas, cette mission, l'émission de l'orphelinat au vive, n'est-ce pas. Vous voyez ces jeunes-là, voilà, qui étaient en train de prier, louer le Seigneur, chanter. Vous voyez, c'est des orphelins. C'est des enfants qui n'ont plus de parents. D'autres aussi, à cause de la précarité, voyez, les enfants se retrouvent abandonnés, voyez, un peu par leurs parents, parce que les parents n'arrivent plus à subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc, les enfants sont abandonnés. Et d'autres aussi, n'est-ce pas, qui sont traités de sorciers, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment la somme de beaucoup de choses. Vous voyez un peu, pour moi, la somme de beaucoup de choses, vous voyez un peu, c'est des fardeaux qui pèsent vraiment sur ces enfants. Et s'il n'y a personne, n'est-ce pas, pour les aider, pour les encourager, pour leur donner, n'est-ce pas, ce lueur d'espoir, n'est-ce pas, ces enfants-là pourront être des victimes, des bourreaux, voilà, des méchants de ce monde, vous voyez un peu, du diable, voilà, qui je ne sais pas si on peut écouter, voilà, cet enfant-là, cette jeune fille-là. Alors, parle fort. J'étais en famille. Et après, c'est ça mon ramassé. Ils m'ont amené à l'orphelinat. Ils m'ont amené à l'orphelinat. Après, ça m'a pris. Et après, ta fille a eu sa pièce sur moi. Elle m'a béni. Elle a dit que je ne peux pas me laver après.
Après un temps là, j'ai recommencé comment Dieu parlait. D'accord, donc tu avais été abandonné par tes parents. Et puis tu t'es retrouvé ici à l'orphelinat. Et on t'a reçu, on a prié pour toi, on t'a encadré. Voilà, merci, que Dieu te bénisse. De se soigner, vous voyez. Donc, frère, voilà quoi, les images parlent elles-mêmes. Il n'y a qu'à nous, il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à regarder. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il croiser les bras? Non. Ben, il faut agir. Si nous avons, n'est-ce pas, le cœur du Seigneur, si nous comprenons, n'est-ce pas, c'est quoi le plan de Dieu? C'est quoi servir Yahweh? C'est quoi servir Elohim? Alors, servir Elohim, ce n'est pas seulement rester, n'est-ce pas, cloîtré dans les quatre murs, dans nos bâtiments, qu'on appelle par but de langage église, non. Mais c'est aussi de sortir, n'est-ce pas, aller au contact des personnes vulnérables, aller au contact, n'est-ce pas, des personnes affamées, affaiblies par la faim, ou un peu, aller toucher leur quotidien. Vous voyez, et réaliser vraiment que si le Seigneur nous bénit, ben ce n'est pas pour que nous soyons, que nous puissions nous engraisser rien que nous avec nos familles, non, mais c'est aussi, n'est-ce pas, pour penser à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui sont, n'est-ce pas, vulnérables, à ceux qui sont faibles. Vous voyez, donc je crois qu'en agissant ainsi, le Seigneur, n'est-ce pas, nous bénira, le Seigneur ne restera pas aussi insensible à nos cris. Voilà, et c'est la mission aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est la mission dans ce temps de la fin. Voilà. Je voulais dire que le Seigneur communique à son Église. C'est le temps vraiment de travailler parce que je vous assure que le monde tire à sa fin. Et plus le monde tire à sa fin, la Bible nous dit que les prophéties vont s'accomplir. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Les gens seront fanfarons, hautains, focalisés sur leurs propres intérêts. Et en oubliant, n'est-ce pas, l'intérêt du plus grand nombre. Mais pour ceux qui sont du Seigneur, nous ne pourrons pas rester insensibles face aux cris, face aux interpellations, face à la souffrance, n'est-ce pas, des autres. Voyez un peu, ce n'est pas bien, ce n'est pas dans ça que le Seigneur nous appelle, voyez un peu, ou encore le Seigneur nous attend. Donc, il y en a qui peuvent se poser des questions, pourquoi le Cameroun? Oui, le Seigneur nous a mis à cœur de commencer par le Cameroun prochainement, n'est-ce pas, et travailler pendant un temps, n'est-ce pas, pour soutenir vraiment cet orphelinat. Nous sommes en train de prier. Ouais, un peu. Nous voulons mener vraiment des actions pendant une longue durée, sinon ce n'est 6 mois ou encore un an, ouais, un peu, où on veut vraiment apporter, n'est-ce pas, des aides, une aide vraiment considérable à cet orphelinat pour essayer, n'est-ce pas, de pouvoir éradiquer certains besoins, certains manquements, n'est-ce pas, qui, voilà, c'est des manquements qui accablent, voilà, ces enfants, qui accablent cet orphelinat. Alors donc, d'ici là, n'est-ce pas, nous allons vous communiquer les dates, sinon la date, n'est-ce pas, de la prochaine mission. Et vraiment, nous vous encourageons à s'aimer, encourager, à vous souvenir, n'est-ce pas, de ces images que vous avez vues, de ces orphelins, voilà, et comprendre que nous ne savons pas ce qu'un jour nous réserve. Voyez un peu, ces enfants aujourd'hui qui se retrouvent sans parents, voyez un peu, ben, un jour, demain, ça pourrait être, n'est-ce pas, ça peut être nos enfants, ça peut être aussi nos nièces, ainsi de suite. Nous ne savons pas, frère. Voilà, la vie nous réserve beaucoup de contours, beaucoup de choses, frères, que nous ne pouvons pas contrôler. Donc, ne soyons pas insensibles, n'est-ce pas, aux cris, n'est-ce pas, de ces enfants. Alors, voilà pourquoi nous vous exhortons, n'est-ce pas, dès maintenant, à vous mobiliser pour que la prochaine mission soit vraiment une réussite, que nous essayons, n'est-ce pas, de éradiquer, n'est-ce pas, des points majeurs comme la sécurité, réparer, n'est-ce pas, les fenêtres qui sont cassées, essayer, n'est-ce pas, de trouver, pourquoi ne pas aussi aérer les salles, les endroits, les chambres dans lesquelles, n'est-ce pas, dorment les enfants qui sont comme des cajots, comme des petites prisons où il n'y a pas de il n'y a pas assez d'air, voyez un peu. Donc voilà, donc je tenais, n'est-ce pas, à vous faire ce point, n'est-ce pas, par rapport à cette mission du Cameroun. Et d'ici là, nous allons vous communiquer, n'est-ce pas, les dates de la prochaine mission, parce que vraiment le Seigneur nous a mis à cœur de soutenir, n'est-ce pas, cet orphelinat pendant un temps, 6 mois ou sinon un an, c'est pas là, selon la force que le Seigneur nous donnera. Et nous comptons sur vous. Nous savons que au travers de ces images, vous n'allez pas rester insensible et qu'ensemble, n'est-ce pas, nous allons nous tenir main dans la main pour répondre aux besoins de ces jeunes, de ces enfants, pour encourager cet orphelinat et afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Yahushua Mashiach, soit glorifié. Donc, soyez bénis, soyez encouragés. Jésus-Christ dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif
et vous m'avez donné à boire. Je crois que c'est le moment où nous ne devons plus, n'est-ce pas, nous contenter à réciter des versets. Nous ne devons plus nous contenter, n'est-ce pas, à regarder les erreurs des gens, mais plutôt, n'est-ce pas, à poser des actions, à venir, n'est-ce pas, en aide aux personnes qui sont vulnérables, aux personnes qui sont en difficulté. C'est en agissant ainsi, la Bible nous dit, que le monde reconnaîtra que nous sommes véritablement enfants de Yahweh. Soyez bénis, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous et que sa grâce demeure dans nos vies. Au nom puissant de Yahushua, Shalom. Il mérite tout.